Mesdames, Messieurs, chers amis, enfin, cette conférence a bien lieu. Après deux reports successifs, le surréalisme aura résisté au Covid. La maison de la laïcité de la Louvière et l'extension de l'élevé du centre tiennent d'abord à saluer la présence de Madame Anne Morelli, ainsi que de Monsieur Patrice D'Artevelde, qui nous font l'honneur de partager la soirée avec nous. Je tiens aussi à saluer la présence de mon ami Serge de Ruet, qui est professeur en sciences politiques à l'Université de Mons. Je me souviens, lors d'un cours de morale laïque, notre professeur de français, Jean-Pierre Warny, nous a donné un cours sur les peintres surréalistes. Je me souviens aussi combien j'étais fasciné face à ces tableaux et bien sûr les explications qui nous avaient été données. Il y avait des reproductions de Salvador Dalí, de René Magritte, de Paul Delvaux, bien sûr, de Miro et de bien d'autres encore. Dans le dossier pédagogique édité par la Fédération Wallonie-Bruxelles et réalisé par le roi de Lé, la définition reprise du surréalisme et qui émane de Maurice Blanchot est la suivante. Le surréalisme semble être le mouvement artistique le plus célèbre du XXe siècle. Est-ce par son audace, parce qu'il touche différents domaines de l'art, parce qu'il est certes un courant esthétique, mais également un mouvement éthique. S'il est possible de parler d'acte de naissance du surréalisme avec la création 1924 de la revue La Révolution surréaliste et de la publication du Manifeste du surréalisme d'André Breton, il serait en revanche excessif d'évoquer la mort du surréalisme. Combien l'avait déjà signalé, et Maurice Blanchot en 1944 disait « Il n'y a plus d'école de surréalisme, mais un état d'esprit subsiste. Personne n'appartient plus à ce mouvement et tout le monde sent qu'il aurait pu en faire partie. Le surréalisme s'est évanoui, c'est qu'il n'est plus ici ou là. En fait, il est partout. C'est un fantôme, une brillante hantise. À son tour, métamorphose méritée, il est devenu surréel. Les thèmes favoris des surréalistes sont le rêve, l'amour, le désir, la femme, le hasard, la folie et d'autres encore. Mais le surréalisme ne se limite pas à la peinture. Il peut aussi toucher la littérature, la sculpture, la photographie, le cinéma, etc. Mais aujourd'hui, le terme surréaliste semble quelque peu galvaudé, ce qui semble aussi être très réducteur et assimilé à étrange, bizarre, étonnant. Mais comment définir le surréalisme? Quels sont les grands principes du surréalisme? Quel est l'objectif du mouvement surréaliste? Comment se manifeste le surréalisme? Pourquoi le mouvement surréaliste est-il passé et resté à la Louvière? Voilà quelques questions auxquelles notre invitée de ce soir, en l'occurrence Christine Béchet, aura sans doute à cœur y répondre. Deux petites citations qui me semblaient intéressantes, l'une d'André Breton, « L'idée du surréalisme tend simplement la récupération totale de notre force psychique », et l'une de Frida Kahlo, « Le surréalisme est la surprise magique de trouver un lion dans un placard, là où on était sûr de trouver des chemises ». Présentation de mon amie Christine Béchet. Nous sommes très très heureux de recevoir à l'extension du LB, c'est la première fois, régionale de l'État, puisqu'elle habite à peine 100 mètres ici de la salle. Romaniste de l'ULB, enseignante à la haute école Condorcet de la province du Hainaut. Christine, tu es membre de nombreuses associations, dans lesquelles d'ailleurs on s'y retrouve parfois. Délibule, C'est Central, Quinconce, etc. Je dois certainement l'oublier quelques-unes. Tu as remplacé aussi notre ami Michel Ost pour les cérémonies d'intronisation des compagnons de la Louve. Véritable louvéroise, tu es impliquée dans la vie culturelle et associative depuis de très nombreuses années et tu es reconnue comme étant une spécialiste du surréalisme et tu en as même connu certains d'entre eux, surtout Achille Chavet et Armand Simon. Pour animer la soirée, nous avons fait appel à l'actuel président de l'Association belge des athées, ABBA.
à savoir Marianne de Grève, qui est romaniste aussi de l'ULB. Marianne, tu as enseigné le français dans un athénée bruxellois, et ensuite le français, langue étrangère et l'alphabétisation, à la fois dans une autre école, Gomez, et dans le milieu associatif. Tu as des passions, et tes préoccupations essentielles sont les difficultés rencontrées par les migrants et l'écologie. Tu t'es engagé dans la laïcité depuis plus de 20 ans, principalement en ayant été président de la section Sud-Luxembourg de l'extension du UB, l'association Sœur, en animant des tables de conversation pour les non-francophones et au CAD, et en participant à la création de la régionale de l'association belge des athées. Alors, l'organisation de la soirée, Marianne, je te cède la parole, et puis M. Lapelède viendra, ou c'est l'inverse. Voilà. Et moi, je quitte la salle parce que Max va venir nous rejoindre et je me rends à côté de Morelli. Merci Jean-Paul pour cette belle présentation. Merci aussi à toutes les associations qui nous permettent d'organiser cette conférence. Et merci aussi à vous d'être venus si nombreux. Je serai très brève, juste quelques mots peut-être pour ABBA, l'Association belge des athées. C'est une association qui a tout juste 10 ans. Elle poursuit différents objectifs, dont l'organisation de conférences, mais également la publication d'ouvrages sur l'athéisme. Quelques mots aussi sur l'athéisme que j'ai convenu avec Christine de définir très très brièvement. Pour mettre un petit peu les choses au point, l'athéisme, c'est la conviction qu'aucun Dieu n'existe. Et si sur le plan pratique, une personne athée adopte un style de vie indifférent à toute religion, une personne athée vit comme si Dieu n'existait pas, sur le plan théorique, il s'agit par un raisonnement plutôt argumenté de démentir l'existence de Dieu. Donc l'athéisme, ce n'est pas l'agnosticisme, et il relève de la laïcité plutôt philosophique que politique. Par rapport au sujet de ce soir, surréalisme et athéisme, nous sommes évidemment très impatients de découvrir les liens qui existent entre surréalisme esthétique, surréalisme engagé, rejet de toute religion et donc athéisme. ABBA c'est donc aussi, publie aussi des livres, et notamment le dernier, Histoire de l'athéisme en Belgique, dans lequel Christine a écrit un chapitre consacré au sujet de ce soir. Et l'histoire de l'athéisme en Belgique va nous être présentée par Patrice Dartevel, qui est le secrétaire de ABBA, l'association belge donc des athées. Je lui cède donc la parole. Merci Marianne. Il m'incombe simplement ce soir, de, comme on vient de vous dire, de vous expliquer la source même de cette conférence, qui est la participation de Christine, participation tout à fait remarquable, à l'histoire de l'athéisme en Belgique, un livre qui a été publié et réalisé par l'association et publié fin 2021. En fait, il n'existait rien de pareil jusqu'à présent en Belgique. Il y a l'histoire de la laïcité en 1979, mais ce n'est pas la même chose. Et dans les pays voisins, il ne semble pas, en tout cas j'en suis sûr pour la France, qu'il y ait d'ouvrage comparable pour le pays concerné. En fait, qu'est-ce que c'est ce livre ? Disons d'abord ce qu'il n'est pas. C'est très souvent les histoires de l'athéisme, quand elles existent, ce sont des histoires où on additionne et on juxtapose des philosophes athées et on donne leur argumentation sur l'athéisme ou en faveur de l'athéisme. Alors, bien entendu, écrire l'histoire de l'athéisme sans aussi faire part de ces arguments est impossible, mais ce n'est pas le fond de notre projet. C'est un livre de type historique sur l'apparition de l'athéisme en Belgique et son développement. En fait, nous avons divisé l'ouvrage en trois parties qui correspondent aux milieux qui ont porté l'athéisme en Belgique. Il y a les milieux académiques, oui, ça a l'air académique, mais il faut bien voir que dans l'apparition, le développement de l'athéisme en Belgique, qui était extrêmement rare jusqu'à l'époque, le darwinisme joue un rôle central. Il ne faut pas s'imaginer qu'il était si bien reçu que ça, même à l'ULB, ça n'a pas été le cas, mais il a fallu attendre 1891 pour qu'un célèbre biologiste de l'ULB, beaucoup d'ici connaissent son nom par l'auditoire, à qui il a donné son nom, Auguste Lamère, a pris clairement, nettement position pour le matérialisme et l'athéisme. Les choses aujourd'hui ont peut-être évolué, mais elles sont presque.
dans toutes sortes de mouvements associatifs et politiques aussi, les choses sont apparues à un certain moment. La franc-maçonnerie abandonne le grand architecte de l'univers comme référence obligatoire en 1877. Et la première association dite laïque de Belgique, l'Affranchissement, 20 ans après sa création, en 1876, passe au matérialisme et l'athéisme. Il y a aussi effectivement des contributions anarchistes et d'autres. Les artistes eux-mêmes aussi ont joué un rôle important. Un des premiers athées, même si son cas est un peu particulier, non pas en termes de théorie, mais en termes de comportement, Félicien Rop, c'est effectivement un des pionniers autour de l'athéisme. Mais il y aura aussi, bien après, le cas le plus frappant, le plus remarquable, et où la Belgique joue, et le Hainaut joue un rôle considérable, c'est effectivement la question du surréalisme. C'est un livre écrit par une quinzaine de spécialistes, flamands ou francophones, et en fait, il y a deux versions du livre, la version purement francophone ici, mais elle regroupe des traductions d'articles flamands, et l'équivalent qui a été fait du côté néerlandophone. Je n'oublierai pas de dire ici, avant de terminer, qu'il y a aussi quelques chapitres qui sont consacrés à des personnalités qui ont joué un rôle exceptionnel, il y en a quelques-unes en matière d'athéisme, mais ici, et moi personnellement, je ne me pardonnerai pas de ne pas vous signaler qu'il y a effectivement une contribution sur Robert Joly, c'est moi-même qui l'ai écrit d'ailleurs, qui est ici, je pense, à être encore connu de pas mal de gens. Vous le verrez, le livre, après la conférence, le livre est là, et une série de nos autres publications. À vous de voir ce qui vous convient. Je cède maintenant la parole, je crois, à Christine. Merci à Abba et à la Maison de laïcité, et à Jean-Paul et l'extension de m'avoir fait la confiance de m'inviter et de vous parler donc du surréalisme et de l'athéisme dans le surréalisme. Alors, ce que je vais dire va parfois aller contre ce que Jean-Paul vient de vous dire du surréalisme, mais il est vrai que ce que tu as dit du surréalisme, Jean-Paul, est ce que les gens entendent la plupart du temps quand ils entendent le mot. En fait, depuis Breton et son manifeste en 24, les surréalistes qui ont été, il faut quand même s'en souvenir, complètement bouleversés, la plupart d'entre eux, par la Première Guerre mondiale, par celle qu'on appelle la Grande Guerre, ils vont, à ce moment-là, s'appuyer sur les textes de Marx, Feuerbach, Lénine, pour structurer leurs réflexions et pour lutter contre l'ordre politique et religieux. C'est vraiment une revendication qui est systématique d'une société vers une lutte pour une société qui serait libérée de tous les tabous religieux et moraux, parce que, à leur avis, l'idéologie, elles sont basées sur l'idéologie bourgeoise, et cette idéologie bourgeoise, profondément chrétienne, est imposée à la société tout entière. C'est vraiment un leitmotiv chez eux qui a été rarement égalé, même par des partis politiques comme le Parti communiste, les marxistes-léninistes, mais aussi par les socialistes qui, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, vont tolérer des chrétiens parmi eux parce qu'ils se sont battus ensemble, et la lutte essentielle ne va plus être la lutte contre la religion, mais ça va plutôt être une lutte au sens premier de la lutte des classes, donc pour abolir la société capitaliste. Alors, qu'est-ce que le surréalisme ? Jean-Paul vous l'a dit, et je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, c'est maintenant devenu un peu tout ce qui est saugrenu, absurde, désorganisé et qualifié de surréaliste. Et au niveau esthétique, il suffit de mettre une pomme sur un clocher, fût-il de la Louvière ou d'ailleurs, et on décrète que c'est surréaliste. Ah, on met une tête à un journal à l'envers ou n'importe quoi, et c'est surréaliste. Si je vous demande de citer des surréalistes, comme l'a fait Jean-Paul, vous allez citer Magritte, Dali. Jean-Paul a ajouté Miro, c'est bien, il y en a beaucoup qui ne savent pas que Miro a été surréaliste. Mais très peu de gens vont citer des poètes. À la Louvière, évidemment, on va dire Chavez.
bien sûr, mais je ne crois pas que beaucoup d'entre vous, à part quelques illuminés dans mon genre, connaissent Crastre, Desnos peut-être, Benjamin Perret. J'étais consternée en recherchant des bouquins du peu de connaissances de quelqu'un comme Benjamin Perret, Le Comte Nouget, etc. Alors qu'à la base, les premiers écrivains que sont essentiellement des poètes. Et des écrivains, des gens qui travaillent l'écrit, pour user de l'image poétique comme d'une arme révolutionnaire. Et au départ, l'image est même un peu considérée comme dangereuse parce que manipulatrice, on s'en rend compte maintenant, et cette idée sera reprise dans les années 50 par Jacques Debord et les situationnistes, mais ça c'est un autre problème. Alors, historiquement, Jean-Paul vous l'a dit, le surréalisme, le mot, apparaît en 24, quand Breton publie le manifeste du surréalisme et il propose effectivement une définition. Il propose la définition plus d'un courant de pensée que d'autre chose, un courant de pensée qui est propre à un groupe d'amis, une espèce de pratique de l'expression révolutionnaire que Breton va appeler surréaliste en hommage à Apollinaire qui vient de mourir, et non pas victime, comme on le croit souvent, de la guerre, où il s'était d'ailleurs engagé volontairement, mais victime de ce qui a décimé les gens qui restaient, c'est-à-dire la grippe espagnole, déjà. Alors, il s'agit pour l'auteur du manifeste d'exprimer... Je répète ce que Jean-Paul vous a dit, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors d'exprimer sa pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Il s'agit surtout, dans l'esprit des surréalistes, de saper l'idéologie en place en vivant différemment. Et surréaliste, je cite, celui qui ne se tient pas pour un écrivain ou un peintre marqué par un souci d'individuation créatrice, mais faisant partie d'un climat psychique et d'un climat éthique commun. Il s'agit là d'une citation d'un poète belge qui est Marcel Lecomte et qui est associé au groupe surréaliste de Bruxelles. Dans son second manifeste publié en 30, Breton précise et ajoute « On conçoit que le surréalisme n'est pas craint de se faire un dogme de la révolte absolue, de l'insoumission totale, du sabotage en règle et qu'il n'attende encore rien que de la violence. » Vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose de révolutionnaire qui est extrêmement... qui est extrêmement agressif, qui est très fort, très puissant. Il va plus loin, il dit « Tous les moyens sont bons pour ruiner les idées de famille, patrie et religion. » Vous voyez qu'on est très loin d'une esthétique, contrairement à ce qu'on a généralement comme idée du surréalisme. Révolte, une révolte, ça c'est certain, mais Heidegger, qui a beaucoup travaillé sur le surréalisme, relève aussi qu'il s'agit en fait d'une communauté d'esprit autour des mots d'ordre essentiels que sont la poésie, l'amour et la liberté. Alors la liberté, c'est vraiment un mot-clé dans le surréalisme, une liberté, une libération des contraintes sociales et religieuses, puisque pour les surréalistes, la plupart des contraintes sont basées sur les dictats religieux, et l'amour devient un vecteur de poésie et d'authenticité. Alors, cette liberté, d'après Raoul Van Eghem, qui est d'ailleurs un situationniste, un ami de Debord, dont j'ai parlé tout à l'heure, la liberté est une cible vraiment exceptionnellement récurrente chez les surréalistes. C'est vraiment une constante. Alors, surréalisme et athéisme, quand Patrice Dortevel m'a demandé d'en parler, je suis partie évidemment à la recherche de références et j'ai heureusement retrouvé dans ma bibliothèque
un bouquin que j'avais bien caché qui s'appelle « À la niche des glapisseurs de Dieu ». Surréalisme et athéisme, à la niche, les glapisseurs de Dieu. Sous-titre que Ducornet a donné à son ouvrage, qu'il a publié en 2007. Et ce titre, à la niche, les glapisseurs de Dieu, est en fait, fait allusion à l'intitulé d'un long tract de 1948 qu'on attribue généralement à Breton, alors qu'apparemment ils auraient fait ça ensemble, mais bref, ça n'a pas tellement d'importance. De fait, dès les années 20, on assiste avec les surréalistes à une subversion vraiment sans frontières. Donc dès les années 20, même avant la publication du manifeste, des événements, des textes hostiles aux institutions religieuses et leur fonctionnement se multiplient. Pour lutter contre toutes les tyrannies par une révolution à la fois mentale et sociale, les surréalistes attaquent les institutions religieuses et leurs ministres en termes violents. Crastre, dont je vous parlais tout à l'heure, rédige « L'invention de Dieu », qui est un texte tout à fait virulent, où figure une phrase qui résume la position des différents groupes. « Dieu et société ne font qu'un. Ce n'est qu'au-delà de Dieu que l'on peut créer un monde nouveau. Avec lui, nous devons engager la lutte au couteau. » Et Breton ajoute, a dit aussi dans le surréalisme et la peinture, et là, Max va vous lire le texte. Tout ce qu'il y a de chancelant, de louche, d'infâme, de souillant et de grotesque passe pour moi dans ce seul mot, Dieu. On ne décrit pas un arbre, on ne décrit pas l'informe, on décrit un porc et c'est tout. Dieu, qu'on ne décrit pas, est un porc. Vous voyez qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère et que l'athéisme des surréalistes s'inscrit vraiment dans une systématisation violente assez amusante par moments. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont nous faire rire. Mais il s'agit vraiment d'une... Il n'y a pas que l'anecdote. Il ne faut pas rester... Nous ne devons pas nous arrêter à cette anecdote. Il faut vraiment voir qu'il y a une option philosophiquement matérialiste au sens philosophique du terme et dialectique. On a parlé de ce matérialisme, Marianne en a parlé tout à l'heure. On va vraiment au-delà de l'anticléricalisme et parce que pour les surréalistes, seule la matière existe. Pour eux, vraiment, l'idée d'une entité abstraite qu'il aurait engendrée est tout à fait absurde. Et non seulement elle est absurde, mais elle est nocive, puisqu'elle génère le culte et elle génère surtout l'obéissance et la soumission. Alors, les actions blasphématoires des surréalistes sont absolument violentes, outrancières, fréquentes. En 27, Desnos et Henri Janson détruisent des kilos d'images pieuses parce qu'un abbé, l'abbé Bethléem, passe son temps à lacérer les affiches de music-hall qu'il trouve choquantes. Benjamin Perret, dont vous voyez la photo ici, commet des écrits anti-religieux d'une virulence et d'une virulence absolument incroyable. Par exemple, voilà un extrait du recueil « Je ne mange pas de ce pain-là ». Cardinal Mercier, tu n'es qu'une hostie que les porcs ont mangée, mais les porcs en sont morts, et tu leur survécu. Et tu leur survécu grâce à l'endurance et au patriotisme que tu prêchais dans l'abattoir. Mais maintenant que tu es crevé, si le monde a moins d'ulcères, les hosties gardent leur goût de cadavre. C'est un des textes de « Je ne mange pas de ce pain-là », ils sont tous du même acabit. Hein. J'ai choisi celui-ci parce qu'il parle du cardinal Mercier à qui Perret reproche d'envoyer les gens se battre pendant la Grande Guerre. Alors, Perret et Desnos sont les plus agressifs, les plus virulents dans le fait de ne pas arrêter d'insulter les prêtres. Et Perret, chaque fois qu'il voit un prêtre, il l'insulte
Et il se fait même photographier, occupé à insulter un prêtre. Là, il est en Bretagne. Ils sont allés faire un scandale absolument invraisemblable dans un restaurant. Il est originaire de Bretagne, Perret. Et il se fait photographier et il publie. Cette photo est publiée dans la Révolution surréaliste, ce que vous imaginez. On est en 24, vous imaginez le scandale, il y a 100 ans, quoi. Vous imaginez ce que ça donne dans une société juste après la guerre, où les pieux sont extrêmement nombreux. Alors, cette photo va d'ailleurs... Schwartz, qui a fait une remarquable biographie sur Perret, contribue pour une grande part à l'exaltation de la révolte et de l'insoumission que l'on a associée à l'imaginaire surréaliste. Alors, il n'y a pas que lui. En 26, attendez, parce que là, on arrive dans une période difficile, c'est celle où je dois manier. Voilà. Max Ernst, le peintre surréaliste Max Ernst peint donc Jésus, la Vierge Marie corrigeant l'enfant Jésus devant trois témoins, les trois témoins étant lui-même, donc Ernst, Breton et Éluard. Vous voyez que ses petites fesses sont toutes roses, c'est tout à fait charmant. Et puis, on les multiplie, hein. Jean Coppen explique comment accommoder des prêtres, et un autre qui va être exclu par Breton en 29 des activités surréalistes, qui est Antonin Artaud, multiplie des écrits blasphématoires, mais lui il n'arrête jamais, c'est vraiment jusqu'à la fin de sa vie, d'une façon absolument outrancière, et notamment dans ce texte que va nous lire Max, qui s'intitule « Pour en finir avec le », dans un recueil qui est « Pour en finir avec le jugement de Dieu ». Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morts. Alors, on n'a pas fini. Rassurez-vous. Voilà maintenant les exploits de Clovis Trouille, qui, lui, multiplie, je peux vous en montrer une autre, voilà, multiplie les peintures de ce type, donc il fantasme sur les saintes représentantes du culte. Alors, celui qui a été certainement le plus... choquant à l'époque parce que le plus public, c'est le film de Buñuel. Ici, c'est un extrait, vous allez voir un extrait du Chien andalou. L'année d'après, il va faire L'âge d'or. Thank you.
Ben, vous le voyez, quand on crie au scandale avec les caricatures de Charlie Hebdo, il y a 100 ans, on faisait déjà pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire, aussi bien au niveau anticlérical qu'au niveau moral. Alors, je vous ai parlé, en général, je vous ai parlé de Paris, je vous ai parlé de tout ça, mais c'est de la Belgique que nous allons parler, bien sûr. Alors, Bruxelles, ben, à Bruxelles, dès 24, des tracts intitulés Correspondances et qui sont signés Gaumans, Lecomte, Nouget, fustigent des auteurs consacrés comme, Gide, Valéry, vraiment les grands noms, parce qu'ils les considèrent comme les suppôts de l'idéologie en place. Magritte et Maizens vont rejoindre les premiers assez rapidement et constituer ce qu'on a l'habitude d'appeler le groupe surréaliste belge. Alors, il y a des divergences de vues entre les deux groupes, notamment au sujet de l'écriture automatique, mais ça nous entraînerait trop longtemps, trop loin. Mais les mobiles, des uns comme des autres, sont éthiques et s'inscrivent dans un projet global qui est destiné à modifier les rapports, à transformer les rapports humains. En fait, la poésie se fait lieu privilégié d'une révolte contre toutes les règles et les tabous de la morale chrétienne et bourgeoise, et contre, et ça c'est important aussi, la rationalité qui les fonde. Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que, encore une fois, ce sont les forces de l'inconscient qui nous amènent à l'authenticité et à la révolte. Alors, Magritte, notamment, force la mise en question des habitudes, des idées conçues, des tabous sexuels. Il n'est pas comme des gens comme Perret ou Artaud dans cette agressivité, dans cette violence un peu première et crue, mais il met vraiment en question les habitudes, les idées reçues, les tabous. Il s'attaque aux comportements, aux mentalités, aux jugements et à tout ce qui est conformisme, tout ce qui est pudibonderie, tout ce qui est ce qu'on appelle le psittacisme, donc le fait de répéter ce qu'on n'a pas compris. Alors, une toile très connue de Magritte qui est le viol, qui s'intitule Le viol. C'est vraiment un comportement fréquent chez Magritte. Au premier regard, on croit découvrir le portrait d'une... On ne regarde pas bien, on voit un visage, hein, d'une jeune blonde à la chevelure opulente qui correspond tout à fait à l'imagerie des fantasmes de la société occidentale à la personne attirante, mais qui n'a rien de provocant. Alors qu'en fait, bien sûr, le visage est un corps nu qui tend à dénoncer les interdits d'une société dont les convenances repoussent toute sexualité, toute attirance, et conformément aux diktats de l'Église chrétienne qui condamne toute forme de plaisir. Alors, l'athéisme s'exprime à travers la matérialité du monde, en fait. On n'est pas, encore une fois, dans un anticléricalisme primaire, en tout cas dans ce cas-ci. On verra après qu'à Bruxelles, on ne s'ennuie pas non plus. Parce que, dit Magritte, seul le réel est en question dans ma peinture. Et il entend traduire cette perception du réel, il entend la traduire en image et faire de la création une expérimentation. Nouget et lui disent régulièrement qu'en fait, leur méthode est une méthode scientifique. Ils s'adressent et ils veulent sonder le mystère du monde en usant d'une méthode scientifique, de l'expérimentation. Il veut exprimer, et je le cite, la reconnaissance désespérée et lucide d'une condition que la plupart s'efforcent à grand renfort de religion et de culture de dérober à leur propre regard. Alors, la peinture de Magritte est en fait opposée à toute forme de résignation.
pour libérer, encore une fois, cette notion de liberté qui est fondamentale, les hommes des conditionnements d'une société aliénante, la peinture provoque la réflexion sur le monde qui nous entoure et essaye de nous sortir des évidences et des questionnements que nous n'avons plus. Nouget va jusqu'à écrire au sujet de Magritte que certaines peintures atteignent en violence et par des voies qui leur sont propres, les plus ardentes provocations à la révolte. Alors, une toile qui, j'aurais pu en choisir d'autres, mais celle-ci me paraissait fort intéressante, elle s'appelle, comme par hasard, Le Libérateur. C'est une toile dont il y a plusieurs versions, certaines s'appellent Thérapeute, ce qui évidemment part dans la même direction, mais à mon avis, étant donné que ils sont à Bruxelles, ils sont opposés à la vision freudienne des surréalistes parisiens. À mon avis, il a supprimé le mot thérapeute, je présume. Peut-être pas, je ne sais pas. Enfin bref, celui-ci s'appelle Le Libérateur. Mais en scène, vous le voyez, un homme assis, sans visage, mais avec un chapeau qui évoque une tête qui brille par son absence, c'est le symbole zéro. Et le tronc est remplacé par une cage, une idée évidemment de cage qui est anti-liberté, et cette cage contient divers objets suivant la version. Ici on va parler de celle-ci, la colombe bien sûr, la colombe qui évoque la notion de paix, le départ, hein, puisqu'on a un envol, donc on a un départ, donc on a une libération, et cette idée de libération est, me semble-t-il, renforcée par la clé, la présence d'une clé. Et on voit encore une canne, la canne, elle n'est pas ici, non, ce n'est pas ici, c'est un verre. Il y a une version dans laquelle... Non, il y a une canne, il tient une canne à la main. Et là aussi, on a le verre, bien sûr, qui évoque le plaisir. La pipe et le verre, on est dans le divertissement. Et puis la canne qui, incontestablement, renforce cette idée de voyage. Il y a aussi une valise, elle est à l'avant sur votre gauche. Et... ce qui est intéressant dans cette toile aussi, c'est le ciel. Il y a le ciel est très fréquent. Les ciels de Magritte sont extrêmement intéressants. Ils apparaissent dans beaucoup de toiles. Et en général, non seulement il y a un ciel, mais en plus, il y a des blocs de pierre. Il y a une matérialité qui s'exprime dans le ciel. On est donc dans une espèce de contradiction là dans... Quelque chose qui est intéressant à décrypter, mais on peut passer la soirée hein, sur une toile comme ça. Alors, Nouget dit du ciel chez Magritte, le ciel, on n'a pas encore poussé fort loin l'analyse de cet objet considérable. C'est évident que le référentiel, les connotations du ciel sont divines dans la plupart des cas. Ici, les révélations des peintres sont rares et banales. Magritte y fait exception. Passer de la profondeur la plus fluide, la plus lumineuse ou la plus trouble à l'organisation de cette profondeur. Aller du signe à l'objet à la faveur d'une dialectique. On revient toujours à la dialectique de Marx et Hegel. D'une dialectique sans exemple qui heurte brusquement les termes imprévus, la solidité, la dureté, les grands éclats de la pierre et d'une pensée victorieuse, voilà qui jette dans un monde de sentiments nouveaux. On est donc dans ce ciel qui est solide, dur, etc., dans toute la négation de ce qu'on entend habituellement par ciel, qui est la fluidité, qui est l'aérien, qui est l'éthéré, etc. Alors. Voilà, ici on était dans quelque chose de sérieux. Les analyses que nous j'ai faites de la peinture de Magritte, et c'est vrai que la peinture de Magritte est parfois amusante, mais elle l'est quand même rarement. Pourtant, à Bruxelles, ils ne sont pas toujours aussi sérieux. Et ils vont, dans les années 30, passer à la subversion directe. En 32, par exemple, Nouget analyse le pour et le contre, égorger un prêtre, un roi, faire sauter une église, une banque, etc.
Ailleurs, il s'amuse, un texte où il s'amuse. Vous voyez qu'on est très souvent dans la littérature. Hein. On s'amuse d'un enfant qui prend pour jouet une hostie tendue à sa mère par un prêtre. Et tout ça reste profondément ancré dans le rejet des institutions et de la morale et de la religion. Vraiment de tout ce qui est coercitif dans la société. Une phrase de Skutner synthétise toute cette attitude, toutes ces idées. Skutner écrit « Nous avons aboli Dieu, démasqué la morale, blanchi la magie, rassis la raison sur son trône de mythe. » Donc, on est vraiment là dans une espèce de synthèse de tous les objectifs et de toutes les réalisations. Skutner, qui est, si vous ne connaissez pas Skutner, je vous conseille, c'est un régal, je crois que Michel Delalle ne me contredira pas. Alors, en 1934, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles accueille une exposition, la première exposition internationale du surréalisme. Breton, après plusieurs bagarres, puisque les surréalistes n'arrêtent pas de se disputer et de se réconcilier, Breton est invité à prononcer une conférence, tandis que le dernier numéro de Document 34, qui s'appelle l'intervention surréaliste, sort de presse. Alors, il y a là un long article signé Magritte Maizens-Nouget, etc. Il s'appelle L'action immédiate, dont un chapitre qui s'appelle L'infâme, dénonce l'influence de la religion sur les prolétaires, ici on est beaucoup plus sérieux, qui continuent de fréquenter les églises et participent aux rituels sacrés. Les auteurs appellent à de nouveaux moyens d'action pour propager l'histoire scandaleuse des religions, rendre la vie impossible à de jeunes curés, contribuer au discrédit de tous les organismes et sectes du genre, armée du salut, évangéliste, etc. Vous voyez que cette fois-ci, il s'agit vraiment d'une lutte claire et précise contre les structures sociales et vraiment d'une prise de position catégorique au niveau politique et au niveau philosophique grâce à des manipulations obstructives dirigées. Et là aussi, c'est un aspect sur lequel j'insiste, dirigé contre des esthètes et des entreprises religieuses et fascistes. Ça, c'est un des aspects, c'est donc l'hostilité à toutes ces structures, mais il s'agit aussi, et ça c'est fondamental dans l'évolution du surréalisme des années 30, de se situer par rapport au courant inspiré par l'URSS, qui défend la poésie prolétarienne et le réalisme socialiste. On verra la progression après avec Zhdanov dans les années plus tard, mais ici on est en plein dans la mise en évidence du réalisme socialiste. Alors pour les militants communistes, la révolution totale préconisée par les surréalistes reste à une histoire d'intellectuels qui viennent de la bourgeoisie et auxquels les prolétaires sont tout à fait sourds en optant plutôt pour le matérialisme mécanique proposé pour avoir vraiment, pour cliver l'action politique et l'action littéraire, l'action artistique militante. Donc avoir deux attitudes. Alors, c'est évidemment totalement antagoniste de ce que demandent, de ce que réclament les surréalistes, puisque eux veulent se battre sur tous les fronts dans une révolution totale des individus, aussi bien au niveau politique qu'au niveau personnel. On est dans les années 30. On est à la Louvière. Alors, bien sûr, à la Louvière, 34, c'est la création du groupe Rupture à... Alors, ici, j'ai une photo qui n'est pas une photo de la Louvière, mais qui est une photo de Mons. Je n'ai retrouvé que celle-là. On a, bien sûr, Chavet, on a Laurent,
Laurent qui est là-bas devant à gauche, autour du buste de Rimbaud, et ça se passe chez Dumont. Je crois que c'est une photo de 39 ici, ou 40, je ne sais plus, 39 je crois. C'est le groupe surréaliste, c'est pas Rupture, mais enfin bon, ça évoque. J'ai pas trouvé, je crois pas qu'il y ait de photos de Rupture, hein. Ce sont des photos du groupe surréaliste chez Dumont. Alors, le groupe est d'abord essentiellement préoccupé de rassembler les forces de gauche. C'est d'abord un groupe politique qui va adhérer officiellement au mouvement en 1935 avec l'arrivée de Moustier alias Dumont, qui rentre de Paris, qui rencontre Breton, etc., et qui insuffle au groupe plus de poésie pour transformer le monde et changer la vie à la façon de Rimbaud et des surréalistes. Alors, la même année, bien sûr, on est dans le mythe, est organisée une exposition internationale du surréalisme dans un local délabré. Alors, cette exposition qui fait aujourd'hui l'orgueil de quelques Louviérois férus de culture locale a été reçue dans l'indifférence la plus totale, voire le mépris d'une population majoritairement ouvrière ou une bourgeoisie qui est tout à fait conformiste et hostile à toutes les idées du surréalisme. Le catalogue de l'exposition comporte un célèbre collage de Max Servet, qui, vous le voyez, n'est pas dans l'anticléricalisme, mais qui est plutôt l'antimilitarisme et bien sûr la provocation. Il s'appelle l'ambassadeur en plus. Et les noms qui sont. Tous les grands noms du surréalisme étaient là, hein, Miro, Dali, Magritte, Ernst, Tanguy, tout le monde était là, et Magritte, bien sûr. Magritte qui avait accroché au mur délabré de la cantine des Flamands, qui est à l'actuelle rue de Brouckère, qui était où c'est la piscine maintenant. Non, l'ancienne piscine, ce n'est même plus la piscine maintenant, c'est maintenant. Ce sont des appartements. Et il est notamment exposé le modèle rouge. Alors ici, on a aussi affaire à une toile tout à fait surprenante où les chaussures qui à première vue, sont les chaussures copiées de des godasses de Van Gogh, les chaussures dénoncent une société qui conditionne les gens à porter des godasses, des savates, et ne s'interroge même plus sur ce comportement. J'ai écrit à ce sujet un texte que je trouve vraiment très beau. Le problème des souliers démontre combien les choses les plus barbares passent par la force de l'habitude pour être tout à fait convenables. On ressent grâce au modèle rouge que l'union d'un pied humain et d'un soulier en cuir relève en réalité d'une coutume monstrueuse. Alors, on regrette bien sûr, je l'ai déjà dit, que la Commune soit passée à côté d'achats comme ça, mais enfin, heureusement, 2 ans plus tard, à l'instigation de Chavez, la ville, puisqu'à l'époque c'est une commune, ce n'est pas une ville, la Commune, achète. Se rachète et acquiert l'hommage à Max Ennett qui pose de très très gros problèmes d'assurance. Mais nous sommes tellement fiers de l'avoir. C'est aussi en 1935 qu'est publié le premier cahier du groupe Rupture qui s'appelle Mauvais temps et qui propose en exergue 2 citations, une de Marx, l'autre de Lénine. Toute idée de Dieu, le seul fait d'être en coquetterie avec une idée de cette sorte constitue une inexprimable infamie, l'infection la plus dangereuse et la plus abjecte. Vous voyez que c'est clair aussi. Le premier et seul numéro de Rupture, puisque le deuxième existe, mais à l'état de maquette, il n'aura jamais le temps d'être publié.
Le premier et seul numéro donc rassemble des textes politiques et littéraires précédés d'une introduction pour justifier, on est de nouveau dans l'anticléricalisme rambique et l'athéisme, pour justifier le refus du groupe à adhérer au Front littéraire de gauche, qu'on appelle plus couramment le FLG, qui a été fondé par Charles Plisnier et qui entend regrouper des écrivains de gauche pour lutter avec le prolétariat. Alors, les Louviérois vont motiver leur refus et s'insurger contre la présence des démocrates chrétiens dans le mouvement. En effet, pour eux, et Max va vous dire le texte. L'entreprise de libération de l'homme, spirituelle et sociale, poursuivie par le socialisme, est incompatible avec toute notion de divinité. Parce que, psychologiquement, un croyant reste un contre-révolutionnaire. La qualité de membre du FLG est incompatible avec l'adhésion à un principe confessionnel. Le groupe Rupture est irrémédiablement hostile à toute collaboration intellectuelle avec les chrétiens. Le groupe Rupture est fondé par 4 personnes. On a ici le fils d'un des 4 fondateurs, Willy, par fonderie, qui est le fils de Marcel, un des 4 fondateurs, avec André Laurent, qu'on appelle généralement, que ses amis appellent le colonel pour d'autres raisons, on ne va pas s'attarder, Albert Ludé et Achille Chavet. Alors, j'avais quand même envie de vous parler un tout petit peu de Chavet et de son attitude par rapport à la religion, ce qu'il est. Hein, il publie ses premiers textes d'inspiration surréaliste. Et ses premiers textes sont souvent hostiles à la religion. Notamment, il écrit un aphorisme que je trouve très drôle. « Dieu n'est pas facile à vivre, loin de là. » Alors, Chavet est né dans une famille pieuse et a fréquenté l'enseignement catholique, notamment l'Institut Saint-Joseph de la Louvière. Et après une crise mystique assez banale, il a renié toute transcendance avec la découverte du surréalisme. Il a renié toute transcendance pour affirmer un profond athéisme qui nuancera incontestablement en agnosticisme à la fin de sa vie. Autant au début, il dit « je suis profondément athée », à la fin, il dit « je suis agnostique ». Et tu peux peut-être lire ce texte. Maintenant, je suis un grand animal blessé dans la jungle du temps, et je m'avance comme un tigre vers Dieu en déniant son existence. À Pierre Fendre. Oui, Achille Béchet, mon père, qui a rédigé la première monographie sur Chavet, écrivait sur le sujet des propos, tenait sur le sujet des propos que je trouve tellement clairs que je préfère vous les citer, c'est ma façon aussi de lui rendre hommage. Chavet est athée, c'est certain, et son sens très vif de la liberté ne pouvait se plier à aucune croyance étroite ou bornée, et partant, à aucun dogmatisme. Il a parfois nié Dieu avec violence. Et voilà le texte. Surtout, n'allez pas aimer Dieu pour sa puissance. Ce serait là l'erreur. S'il faut l'aimer, c'est parce que c'est un autodidacte. Chavet, Chavet admet l'existence, et c'est encore Béchet qui dit, admet l'existence de l'esprit comme une réalité substantielle. L'individu qui opte pour l'immanence contre la transcendance s'affirme comme le seul artisan de sa personnalité. Et en fait, ce qui prête à confusion, c'est que Chavet évoque très souvent le Christ. Et s'il l'évoque, c'est plus comme un frère. Comme disait Simone, il n'aime pas le Christ, il croit qu'il est le Christ. C'est la mégalomanie de Chavet. Et Chavet voit en
dans le Christ un frère, au même titre que Bouddha, Lénine ou Rimbaud. Et il peut dire ça parfois avec beaucoup d'humour, encore une fois. Ah, maître, que pensez-vous d'un Dieu qui se suicide? B. Je pense que c'est un Dieu qui a le sens de la perfection. Ah, mais encore, qu'est-ce que la perfection? B. C'est précisément un Dieu qui se suicide. Voilà. Fin de la parenthèse, Chavez. On revient aux faits et actes de rupture, puisque en 1936, des divergences entre les partisans d'un engagement essentiellement politique et les défenseurs d'une éthique surréaliste, convaincus de la force révolutionnaire de l'image poétique, se cristallisent jusqu'au départ d'Achille Chavez, qui en novembre part en Espagne combattre les troupes de Franco aux côtés des républicains espagnols. Quand il revient un an plus tard, il a adhéré au Parti communiste espagnol et il défend la ligne de l'URSS. Alors, à partir de là, le clivage entre les pro, les staliniens et les trotskistes devient complètement paroxystique et aboutit à la rupture de rupture, mais aboutit aussi à la dispute avec les Bruxellois, au point que Mezens, qui est un trotskiste rabique, refuse désormais l'étiquette de surréaliste à celui qu'il appelle le stalinien Chavez. Alors, dans Rupture, apparaît à peu près à ce moment-là un très grand dessinateur qui est Armand Simon. Et Armand Simon, qui vient de rejoindre le groupe, ne pas du tout, ça le préoccupe absolument pas. Il est originaire de Pâturage, il a connu Dumont et Chavez à l'Athénée de Mons, il a découvert peu de temps avant les chants de Maldoror de Lautréamont, et depuis il dessine tout le temps et il les illustre d'une manière pratiquement frénétique. Et le dessin ne le quitte vraiment plus, dans une production spontanée où il traduit ses rêves et ses obsessions. Vous voyez qu'elles sont pas tristes, ces obsessions. Aux confins du fantastique et du merveilleux, son surréalisme réside dans un automatisme constant pour exprimer ses révoltes. Quand on lui demande s'il est surréaliste, il répond « Surréalisme, oui, non, peut-être. » En fait, je crois que ce n'est pas du tout son problème. Et écrit Xavier Cannon avec beaucoup de pertinence, « Simon envisage le surréalisme non comme un moyen de combat, mais comme un mode de refus ou d'évasion, les deux choses se rejoignant peut-être. » En fait, le politique dont toutes ces querelles ne retiennent absolument pas Simon. Il dit même dans une interview « Qu'est-ce que vous voulez foutre avec la politique ?» Et chez lui, il n'y a aucun anticléricalisme. C'est trop pensé pour lui. C'est trop ciblé, c'est trop structuré. Par contre, je vais vous en montrer un autre. Par contre, on traverse un univers qui est, vous le voyez, dénué de tout tabou sexuel ou moral. Et Chavez écrit dans un catalogue d'une exposition de Dumont, il écrit que Simon nous laissait désarmés d'admiration et nous violentait dans une sorte de crainte spécifique, ainsi que l'on est susceptible de l'éprouver à l'égard de certaines formes de la révélation, dans le sens de cette accusation mentale que l'homme lance aux dieux, dans la réponse des dieux à cette impitoyable accusation. Voilà, je voulais faire un petit hommage à Simon, parce que je trouve que c'est dans les créateurs de notre région, il fait vraiment partie
des ignorés dont je regrette qu'ils le soient. Alors, un autre personnage intéressant qui nous vient de Mons aussi, c'est Marcel G. Lefranc, qui rejoint Rupture en 1938. Il est à la fois collagiste et photographe, c'est un ami de Simon, et il propose donc des collages à la façon des surréalistes, un peu, je vous ai montré aussi un Max Hervé, mais Ernst a fait beaucoup aussi de collages, c'est vraiment une pratique que le surréaliste utilise dès le départ. Et il travaille à partir d'éléments découpés dans des revues qu'il juxtapose. Et il juxtapose des objets d'une manière tout à fait paradoxale et il crée des images chocs, des images très violentes et vous le voyez souvent tout à fait anticlérical. Donc vous voyez, vous êtes dans une église en ruine avec cette femme au sein dénudé qui tient un crucifix et avec le visage voilé. Il se livre aussi à l'écriture automatique et Max va vous en donner un. Les trois vautours d'aluminium s'envolèrent de son sexe et comme chaque fois qu'ils étaient réveillés en sursaut, ils criaient « Mort à Dieu !» sans cependant savoir ce qu'était Dieu, car jamais encore ils n'en avaient mangé. Leur mets préféré est, comme tous les vautours d'aluminium, les enfants naturels de protonotaires apostoliques. Les yeux de pape sont un plat extrêmement rare, fort prisé de leurs congénères. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire. On est donc dans l'écriture automatique. C'est quelqu'un de tout à fait admirable, Lefranc. Si vous avez l'occasion de passer au musée de la photographie, je vous conseille la salle Lefranc. Il y a une très belle collection de photographies de lui. Voilà, donc après Lefranc est aussi quelqu'un de très important, de la région qui est très important. Et après la guerre, il va suivre les avatars du groupe jusqu'au dernier, Haute Nuit, dont il sera le secrétaire, il sera très actif. Et puis, il sera dans le sillage de Dautremont pour participer à l'aventure, jusqu'à l'aventure de Cobra. Et puis après, il s'en détachera, il restera dans la région. Alors, dernière étape, c'est l'arrivée de la deuxième génération. Pour reprendre les termes de Marie Godet, qui a réalisé sur Dautremont un travail tout à fait extraordinaire. En 1937, Marcel Marienne est âgé de 23 ans, il rencontre Magritte et Nouget, et il est aussitôt intégré au groupe dont il devient bientôt un des maillons essentiels. C'est à la même époque que Paul Bury, qui vient de quitter l'Académie des Beaux-Arts de Mons, découvre le surréalisme grâce à Chavet, qui le présente à Magritte. Alors vous avez ici une toile de Bury, qui date de 40, de Paul Bury, qui date de 40, et qui s'appelle « La fin du christianisme ». Je crois que les opinions anticléricales de Bury ne sont pas à mettre en doute quand on voit ceci. Alors là aussi, on pourrait passer longtemps à parler de ce sujet, mais ça nous égarerait. Alors, c'est aussi l'époque où rencontre où Dautremont, qui est né en 22, découvre le surréalisme et participe aux dernières activités de l'invention collective. Il part bientôt, ici je vais faire un tout petit cocorico belge. Il part bientôt à Paris où il rencontre Noël Arnaud et participe à la fondation de la Main à Plume, qui est le seul groupe surréaliste qui sera actif dans la résistance durant l'occupation. Et ce sont eux, entre autres, qui publient et qui distribuent l'emblématique poème « Liberté » de Paul Éluard, qui a été un des grands actes de la résistance à Paris. Eh bien, Dautremont est dans l'équipe. Voilà. Alors, 45, c'est après le carnage, évidemment. On a la main à plume, les rescapés de la main à plume qui fondent le salut public. Et Dautremont, qui en devient secrétaire de rédaction, rédige un tract qui s'appelle « L'œil de Rome », où il accuse le Parti social chrétien, notre PSC, de subir la loi du pape
un Italien qui sert les intérêts de l'international capitaliste dont le siège est à New York. On est, d'autrement, on multiplie les articles hostiles à l'Église et son pape, et il s'inscrit vraiment dans des faits, dans des attitudes iconoclastes dignes de Perret et Artaud dans les années 20. C'est vraiment. Alors, d'autrement. Il parle de l'international capitaliste parce que ce soit Noël Arnaud et tout la main à plume, eux sont en rupture avec Breton parce qu'ils adhèrent au Parti communiste. Hein, c'est vraiment un clivage. Mais les problèmes politiques entre les tendances trotskistes, anarchistes, staliniennes au sein des surréalistes, entre les surréalistes, c'est quelque chose de catastrophique. Alors, en décembre de la même année, René Magritte, on va encore s'amuser un peu, organise à Bruxelles une grande exposition qui s'appelle Surréalisme, première manifestation après la guerre. Et cette exposition provoque le scandale, et il y avait de quoi, parce que les murs étaient couverts d'inscriptions. Était couvert d'inscriptions qui couvraient qui disaient d'Oscar Dominguez, qui est originaire de Tenerife. Et Oscar Dominguez disait et avait écrit: je souhaite la mort de 30 000 curés toutes les 3 minutes. Et en plus, il y avait toute une série d'objets. Ici, les photos sont de très mauvaise qualité. Ce sont des photos de Paul Bury. Attendez, je cherche, parce qu'il y a un endroit où on voit. Voilà. Si vous regardez sur le mur au-dessus, à gauche, avant, bon, tous les petits dessins qui sont là-bas, ce sont des Armand Simon. Et si vous regardez juste avant, dans le renfoncement avant, eh bien, c'est un crucifix. Et vous avez des crucifix qui sont ainsi placés un peu partout. Et au-dessus, vous avez une chaise qui est la tête en bas. Et la plupart des objets en question sont des objets qui ont été conçus par Magritte et Marienne. C'est d'ailleurs une erreur dans le bouquin. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Magritte et Nouget. C'est Marienne. Voilà. C'est dit. J'espère que vous ne l'oublierez pas. Notamment, poser sur un socle, un plat contenait, il y avait un grand plat, et dans ce plat, il y avait un catéchisme de Malines plongé dans du ragoût de bœuf, qui pourrissait évidemment, et le machin, on l'a remplacé de temps en temps, enfin ça n'arrêtait pas. Alors vous imaginez que ça pas plu à beaucoup de gens non plus, cette histoire-là. Alors, il y a énormément d'ennuyés. Hein. Je vous dis qu'il y a tous les Simons. Il y a des... Mais on ne voit pas bien. Hein. Il y a des inscriptions au mur. Il y a des toiles. Ici, on voit une toile de Magritte. Là-bas, il y a des Magritte et des Bury. Du temps qu'il était surréaliste, bien sûr. Alors, en marge de l'exposition, ils ont fait un canular tout à fait mémorable, c'est-à-dire qu'ils ont publié un prospectus qui conviait les visiteurs à un séminaire. Attendez, parce que c'est pas évident, hein, par le docteur Ichaud-Fescu, qui vient de l'Académie des hautes études sexologiques de Sofia et qui va parler de la sexualité païenne, chrétienne et logique. Voilà. Il paraît qu'il y a des gens qui se sont présentés pour assister à la conférence d'Ichaud-Fescu. C'est absolument ahurissant. C'est des canulars d'ados, quoi. C'est des trucs de lycéens. Et encore. Ben voilà. Dorénavant, c'est quand même parfois un peu plus sérieux. Maintenant, évidemment, ils écrivent ça, Ichaud-Fescu, ils écrivent ça, Ijowescu,
puisqu'il vient de Sofia, donc c'est un truc. Alors, à partir de là, la plupart des canulars sont le fait de... Non, pas des canulars, ce ne sont plus des canulars cette fois-ci. Des interventions, pratiquement plus rien ne se fait sur la Louvière et Mons. Hein. Tout se fait en groupe, les Louviérois et les Montois collaborent. J'ai presque fini, rassurez-vous. La plupart sont le fait de Marienne. Et Marienne, chez Marienne, il y a un côté provocateur et drôle, mais il y a toujours énormément de profondeur. Il y a toujours, c'est jamais gratuit chez Marienne. Même parfois à contre-courant des autres, il est d'une très très grande autonomie. Par exemple, quand Nouget applaudit à une provocation qui est fomentée en 50 par les futurs fondateurs de l'International Lettriste, si ça vous dit quelque chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un ancien dominicain avait lu en chair un texte qui proclamait la mort du Christ Dieu pour qu'enfin vivent les hommes. Et puis, ses fidèles sont furieux et il va être malmené et arrêté. Et Marienne... donc certains surréalistes trouvent ça génial, et Marienne, lui, n'aime pas du tout, parce qu'il estime que ce type d'action peut avoir des conséquences graves, et au lieu et arriver à un effet totalement contraire à celui qui est escompté, parce que pour lui ça risque au contraire de renforcer le sentiment religieux. Et Cannon précise quelque chose, je trouve qu'une phrase, c'est une phrase d'une citation de Cannon que je trouve vraiment intéressante. Il ne s'agit pas, selon Marienne, dit Cannon, de briser les objets ou de lacérer les images à des fins profanatrices, mais de les défaire de leur symbolisme pour les rendre à une vérité nue. Et c'est ce qu'il va tenter de faire dans L'imitation, oui, ça c'est Magritte avec d'autres noms et Marcel Marienne. Voilà, dans un film, L'imitation du cinéma, qui a été réalisé en 59 avec des amateurs, notamment Tom Guth. Tom Guth a à l'époque 18 ans, et dans ce film, il joue le rôle d'un jeune garçon à la vie dissolue. Il est vraiment très libertin, et il découvre la foi grâce à de nombreuses croix qui envahissent son quotidien. Décorative, alimentaire, il a des frites en forme de... Il mange des frites en forme de croix, des objets de dévotion, de pénitence, et tout ça va le remettre dans le droit chemin. Et voilà. C'est vraiment une grande misère de vivre sur la terre. Georges, dit-elle, veux-tu dégrafer mon soutien-gorge, ou bien dois-je ôter d'abord ma culotte ? Ainsi, tout est dans la croix, et tout consiste à mourir. Elle avait les cuisses longues et brunes, la toison douce et le... La croix est donc toujours préparée. Elle vous attend partout. La presse, vous en doutez, la presse catholique n'a pas aimé beaucoup. Et la Marienne... ici encore, il y a un article du Peuple qui dit que, moi je trouve ça fort intéressant, Marienne a entendu présenter dans son film La Croix, non pas comme un symbole, mais tout simplement comme un objet. Il est évident que pour un non-croyant, la croix n'a aucune signification spirituelle. Et là, je vais vous montrer un objet de Marienne, qui est beaucoup plus récent, enfin non, qui date de 38.
la croix est effectivement, je crois que les journalistes de la droite catholique qui n'étaient pas contents n'ont pas eu tout à fait tort. Alors Marianne critiquera encore dans les faits importants, il n'arrêtera pas, mais dans les faits importants, il critiquera encore l'attitude des prêtres lors de la catastrophe minière de Marcinelle, parce qu'il est scandalisé par la passivité du clergé à dénoncer les conditions de travail des mineurs et puis après d'aller bénir les dépouilles des travailleurs victimes d'une politique vénale qui ne respecte pas leur travail et que l'Église, évidemment, a soutenu. Hein, c'est un peu comme ce que les Parisiens reprochaient aux prêtres d'avoir fait pendant la Grande Guerre en envoyant les gens à la boucherie et puis en les bénissant et en les envoyant au paradis. Alors, on en finit avec les conclusions, rassurez-vous. Je m'excuse d'avoir été plus longue que prévu. Les conclusions, je les débute par un aphorisme de Chavet que j'aime beaucoup, qui est « Pour Dieu, tous les moyens sont bons ». Alors, la lutte pour la liberté contre toutes les formes d'oppression sociale, matérielle, morale, spirituelle, inclut le rejet de toute référence transcendante chez les surréalistes. En effet, ils sont mus par un principe immanent au sein d'un univers matériel incréé. La volonté sacrilège de nombreux textes et de plusieurs agissements participe à l'évidence de la volonté d'éradiquer toute référence à l'au-delà. Il s'agit d'un combat mené contre les fondements, contre l'essence même du sentiment religieux et sa récupération par et pour les pouvoirs jusqu'à soutenir les horreurs de la guerre. Et quand les surréalistes se déchaînent en intervention iconoclaste, ils entendent, comme Marianne, redonner aux objets sacralisés leur statut de matière, modelé par le travail, le savoir-faire des hommes pour en faire des objets utile à la vie quotidienne. Quant au blasphème, qui a été fort à la mode pendant très longtemps, il est tantôt un outil de communication, tantôt une soupape, la soupape d'une révolte qui se cherche des exutoires. Le combat des surréalistes contre les glapisseurs de Dieu est loin d'avoir abouti, car les glapisseurs de Dieu persiste à se convaincre de l'universalité de leur foi. Et pour en finir, tout à fait porté par le désir et la révolte, inspiré par l'imagination subversive, guidé par l'exigence essentielle de liberté. À Bruxelles ou en Hainaut, comme à Paris, des poètes se sont battus pour un monde qui ne craindrait plus que le ciel leur tombe sur la tête. Ils ont fait fi de toute esthétique. Ils ont voulu donner du sens aux provocations iconoclastes, aux blasphèmes de Dada, pour que leurs interventions débouchent sur un mieux-être des humains interpellés par le mystère dans un monde à leur mesure. L'histoire n'a souvent retenu que leurs outrances et détourné leurs images poétiques en slogans publicitaires, suppôts de la société mercantile qu'ils fustigeaient, énorme paradoxe. L'histoire a fait du surréalisme un courant esthétique qui trahit ce que les protagonistes avaient tellement combattu, les idées reçues, les dogmes, les courants et les écoles d'art. Mais intemporel, le surréalisme a laissé des traces dans les mémoires. Et je ne veux pas terminer, je ne peux pas terminer sans vous proposer une œuvre de mon ami Serge. Proche d'Armand Simon, il a hérité de son trait authentique pour chasser les démons et traduire des tourments où les prêtres ont un bien curieux rôle. Je vous remercie.